petit nèg qui sorti dans la province, qui vient là dans Port-au-Prince, choisi par le président Joseph Michel Martelly, que classe bourgeoisie, donc rapatrié. Le monde de Martelly, le président Joseph Michel Martelly, qui te voit très mal. Et jusqu'à présent, je dis que ce Tinex a tête saut, qui chef Concao, qui sortit dans la province, que le président Martelly te met tes mains sous lui, pour dire que c'est lui qui sera donc le prochain président de la République d'Haïti. Jusqu'à présent d'ailleurs. Eh bien, madame, monsieur, c'est quoi la situation? Tout ça nous est passé dans le pays, il n'y a pas innocent. Tout ça nous est qui peut passer, qui a passé dans le pouvoir, Jovenel Moïse là, il n'est pas innocent et le pape jamais innocent. Pas de hasard dans ce qu'il a fait dans le pays. Et nous l'avons bien dit à l'émission Matin Débat. Je dis, Jovenel Moïse, comme président de la République, a en fait une certaine redevance, madame, monsieur, envers cette classe économique. Et ceci, c'est tout à fait normal. C'est l'homme qui a mangé l'argent Django. Il faut payer Django. Ceux-là qui avaient investi dans la campagne du président Jovenel Moïse, appartenant à cette classe économique, madame, monsieur. Il y a là-dedans qui est très frustré aujourd'hui. Hein? Il y a là-dedans qui est très déçu. Et il y a là-dedans qui décide que Jovenel Moïse va faire 5 ans. Mais ça va passer dans le pays là. Il y a deux bagailles qui arrivent là, il faut nous faire très attention. Ou bien Jovenel Moïse, nous avons assassiné le pouvoir. Ou bien le président Jovenel Moïse, nous avons empoisonné pendant le pouvoir. Ou bien il y a une pression qui fait pour le quitter le pouvoir. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Parce que il y a des frustrés dans le secteur économique. Là. Parce que le président Jovenel Moïse voulait apporter certains changements et décider avec sa fougue, quel que soit Jean-Saïa à Fokli, pour des changements dans le pays. Et ceci, changement qui pendant intérêt certains secteurs donc de la classe économique, madame, monsieur. Notez pour moi ce lundi 16 juin à l'émission Matin Débat, ça que Maldine qu'on y a là. Des quatre contrats qui étaient passés sous la présidence du président Jocelyne Brivère. Comment bien? Jocelyne Brivère te baille quatre contrats à quatre secteurs clés dans le pays. Quatre secteurs faisant partie du secteur des affaires, le secteur économique. Et le président Jovenel Moïse arrivé au pouvoir, il classe une question que la combatte. Quatre contrats, ça, la combatte quatre secteurs. Et bien, toute bataille qui est là, dans ça qui vient pas avec Jovenel Moïse comme président de la République. Même ce que Gendele, on est où c'est président de la République. Mis à part toute question de protocole, mis à part toute question et un rapport avec une certaine retenue, comparé et un rapport avec le poste de président que vous occupez. Mais qu'on écrive, il ne faut pas éveiller la nation. Hein? Tout problème, Jovenel Moïse, qui est là comme président de la République, parce que justement, livré que lui-même c'est le président et que c'est lui-même qui peut mener destiné pays. Et bien, tout problème que le gars a comme président de la République, c'est que il y a des contrats que le gars a mené la redire, que le retiré dans des hommes d'affaires et que qui était déjà signé, adopté et avalisé par le président Jocelyne Brivère. Contrat numéro 1. Madame, monsieur, regardez les notes. Mon crayon Maquille, vous êtes à l'émission Matin Débat. Vérité assez là pour le balai. Et cela n'a pas parlé, cela n'a pas habitué à parler. Contrat numéro 1. Bon contrat qui vient à voir avec Christian Fontière. Et je dis à liberté ou à qui est sous frontière là. Je dis, hein, question contre Banco et que jusqu'à présent, je voulais Moïse pour être capable de contrôler le pays. C'est à partir de ce contrat. Le contrat ça a monté 1 milliard 100 millions dollars américains sous plusieurs années.
Jovenel Moïse décidé, il coupe le contrat ça. Même qui n'est qui dans le secteur privé, qui a fait l'argent ça, qui parle d'accord avec Jovenel Moïse. C'est le contrat numéro 1. 1 milliard 100 millions de dollars américains. Signé par le président Jovenel Moïse. Eh bien, Jovenel Moïse vini, il coupe le contrat ça. Il dit, bah, il a sa pièce. Et que l'agence n'est pas capable d'agoter. Donc, il sous-paye IA pendant des années. Contrat numéro 2. Contrat ça, il montait 1 milliard 900 millions de dollars américains. Qui contrat lui d'après nous-mêmes? Contrat qui passe sous gouvernement privé. Pour en partie dans le secteur privé, contrôlé par eux pendant 27 ans. Ça nous connaît, oui. Ici, on a maté des balles, nous disons que nous avons que vous monter comme si. Quand il y a comme ça, 1 milliard 900 millions de dollars sous 27 ans, ils ont parti dans le secteur privé, imposé à privé, que le signé. Mes amis, on compte un dossier de si grande importance. Combien de feuilles nous pensons qu'on travaille? Contre des feuilles, oui, mes amis, des feuilles papier. Des feuilles papier qui engagent l'État pour 27 ans pour on partir dans ce secteur privé avec contrôle douanier. Et la donne, monsieur, exigé pour 8% de revenus douaniers, fin de poche, la donne. Monsieur, exigé pour 8% de tout revenu douanier qui est dans le pays, fin de poche. Contre à monter 1 milliard 900 millions de dollars. Jovenel Moïse, coupez ça! Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matadéba. Jovenel Moïse, coupez ça. Contrat numéro 3. Dossier importe. Dès qu'on contrat dans importe là, montez à 289 millions de dollars américains. Qui passait sous le président Jocelyn Brivet. Jovenel dit bien ça. Là, il fait évaluation. Il voit que c'est 130 millions de dollars. Contrat a dû coûter. Et puis là, regardez, il voit que le contrat a coûté 289 millions de dollars américains pour importer là. Jovenel Moïse, campé bien ça. Il dit bien ça, pièce. Mais une situation que tu nègres qui sorti dans le nord-ouest là, n'est pas des pères. Mais la situation, tu n'es qui sorti dans le nord-est là, hier, je dis, avec le secteur des affaires, madame, monsieur, le pays d'Haïti. Quatrième contrat. C'est une question courante. Jovenel Moïse, reviser, remettre tout contrat ça en cause, sous table. Et puis, il dit qu'il a fait courir dans le pays d'Haïti, il n'est pas capable de un secteur seulement. Il est ouvert dans ses courants. Il y a un appel d'offres qui fait un truc comme équipe besoin. Eh bien, tout n'est là fâché ou vexé. Parce que courant, monsieur Tap vend à 40 centimes, je me l'ai posé que possibilité là pour le vendre courant à 10 centimes. Voilà, monsieur, mais 4 contrats. L'opre ensemble de comme ça, on lui fait en total, il y a un jeu sous 4 milliards 800 millions de dollars. Ok, mais ça gagne là comme bataille. C'est que l'important pour le pays à connaître. Mais ça qui est là comme bataille, mes batailles qui est là, mes batailles que Jovenel Moïse y est là dans Jodia comme président de la République. Maintenant, qui bataille que y est là? Et nous te dit déjà dans l'émission matin débat. Est-ce que la privé qui bataille ça? Est-ce que qu'on y a secteur privé à privé gagner? Raison sous président Jovenel Moïse. Madame, monsieur, c'est quoi le plan de ce secteur, de cette partie du secteur des affaires? Madame, monsieur, comprenez également que dans le secteur des affaires, il y a ce qu'on appelle les conservateurs. Il y a ce qu'on appelle les progressistes également. N'est-ce qui c'est conservateur dans le secteur économique, là, il va gagner pour avec le pays. Je suis là pour question de l'argent. C'est là qu'on appelle les progressistes. Et là, il y a un coup régional boulos. On voit que Nexa yo, yo, croit dans le pays. Et Régional Boulos, il va réunir tout employé là, jeudi prochain à l'hôtel Rancho, pour rassurer tout employé que il va mettre du job et il va réouvrir des débats. Mais bataille qui est là. Maintenant, est-ce que Jovenel Moïse parle pas qu'un? Parce que je dis un secteur qui, dans le secteur des affaires là,
qui pas convenant rien dans Jovenel Moïse. Ils ont déterminé pour jeter le gouvernement Jovenel Moïse là. Mais qui bon que Jacques Guy Lafontaine tombe. C'est quoi le plan? Le plan, c'est que le secteur des affaires a décidé, dans un premier temps, il faut que vous ayez un premier ministre par eux, que vous êtes dans le matin débat. Ils ont réclamé primature là, ils ont besoin de primature là. Et de fait que jeter Jacques Guy Lafontaine. Les enfants jeter Jacques Guy Lafontaine, deuxième bataille pour mener, notez pour moi, madame, monsieur. Gardez pour nous si on parle de bataille sous Wilson Nalo. Il va gommer là pour imposer un chef de cabinet à Jovenel Moïse comme président. C'est la deuxième bataille qui va gagner là. Notez, mes amis, notez, matin débat, notez. Première bataille là, c'est retirer Jacques Lafontaine, puis on prend la primature. Deuxième bataille là, c'est gommer puis on jeter Wilson Nalo. Troisième bataille là, c'est jeter Jovenel Moïse comme président de la République. Et quatrième bataille là, c'est l'épargne élection pour permettre que tout candidat perche au Bacanet. Madame, Monsieur, vous écoutez à ta débat. Comprenez bien, moi je dis ça déjà. Sous pas de matin débat, pas contre ça qui a passé dans le pays.